En juillet 2021, se tint à la porte de Versailles à Paris le salon ProDays réservé aux professionnels du cycle. L'occasion pour Zéro Tracas de découvrir les nouveautés de la sécurité pour les vélos et sur un vélo, à commencer par la base, le casque. Va falloir prendre un casque qui a la bonne taille, il faut bien l'attacher. C'est des choses bêtes et simples, mais c'est super important, ça peut sauver des vies. Si on attache le casque correctement, qu'on le serre correctement, il va être efficace. Pour qu'un casque soit vendu, il a des normes à respecter. Tous les casques que vous achèterez garantiront votre sécurité. Après, il y a des casques plus ou moins bien équipés et avec des technologies encore plus sécurisantes. On a une nouveauté qui a reçu en 2021 le prix innovation de la sécurité routière. Vous avez une application que vous allez synchroniser avec votre casque. Vous aurez mis 3 contacts d'urgence et en cas de chute, Donc, le casque est équipé d'une puce donc, qui va permettre de détecter cette chute et d'envoyer un message aux proches. Donc, vous aurez un SMS avec la géolocalisation de la personne. Et derrière, les urgences pourront être contactées. On a un délai de 30 secondes à 1 minute pour annuler cette alerte. Mais vous n'êtes pas obligé de tomber pour envoyer un message d'urgence. On peut le déclencher manuellement. On peut tapoter le casque 4 fois. Et en fait, ça va envoyer un message d'urgence de la même manière que quand on a une chute. Donc ça peut prévenir des dangers différents. Par exemple, vous êtes en ville, je dis une bêtise, mais vous êtes tout seul, il y a quelqu'un qui vous suit, il peut être tard le soir, ça peut s'avérer utile. Utile aussi, et même obligatoire la nuit, les éclairages avec un petit feu qui ajoute encore de la sécurité. Oui, on a effectivement une lumière arrière avec un système de brake sensor. Dès l'instant où le cycliste va ralentir, l'intensité du feu à l'arrière va augmenter et vous aurez une meilleure visibilité par rapport au véhicule. Comme le système d'un feu de voiture. Le vol est un fléau pour les vélos, mais là aussi, ça avance. Depuis maintenant 2 ans, nous commercialisons des antivols connectés. L'antivol va s'ouvrir et se fermer à l'aide d'une application. Il n'y aura plus de clé sur l'antivol. Cette carte à code va vous permettre de synchroniser votre téléphone avec votre antivol. Vous aurez simplement à vous approcher pour que l'antivol s'ouvre. Un point important sur ces antivols, on les a équipés d'une alarme. Si on détecte une tentative de vol, l'alarme va sonner à 100 décibels et à ce moment-là, c'est très dissuasif et très efficace dans des lieux fréquentés ou encore par exemple chez les personnes parce qu'il y a beaucoup de vols qui se font à domicile et quand souvent c'est la nuit, ça peut être très dissuasif pour un voleur. Autre méthode très dissuasive, le marquage. Il faut savoir qu'il y a 400 000 vélos qui sont volés chaque année, il y en a 100 000 qui sont retrouvés et on ne peut en restituer que 8 000 sur les 100 000, faute d'informations sur le propriétaire du vélo. Ce pourquoi la loi impose une étiquette autocollante qui se désagrège du vélo si jamais quelqu'un voulait la poser sur un autre vélo. C'est une obligation légale depuis le 1er janvier 2021 pour tous les vélos neufs, pour tous les vélos d'occasion vendus par un professionnel depuis le 1er juillet 2021. Pour enregistrer votre vélo dans le fichier national, aujourd'hui on propose soit des étiquettes autocollantes, ce qui est l'obligation à la loi, soit des étiquettes avec résine solidaire du cadre du vélo, là il faut vraiment dégrader le vélo pour l'enlever, soit ce qu'on appelle de la micro-percussion, donc là on va vraiment complètement écrire sur le cadre directement, et c'est encore plus sécurisé. De 10 à 30 euros, pas cher pour avoir une chance sur 4 de retrouver son vélo volé.